بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. Voilà, nous allons donc quitter subhanallah ce mois de Ramadan, ce mois qui est très très important pour chacun d'entre nous. Et nous allons donc devoir nous préparer pour une fête très très importante. Comme vous savez, Eid al-Fitr. Comme nous avons aussi une deuxième fête, donc qui est Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Et une troisième, donc qui est tous les vendredis. Enfin, subhanallah, Eid al-Fitr, c'est-à-dire ça va être donc cette fameuse fête que l'on va, Inch'Allah, faire le lendemain. Le lendemain de la fin du jeûne qui a été déterminée par la vision de la nouvelle lune qui va venir donc nous dire que nous sommes entrés dans le mois donc de Shawwal. Et le jour donc de l'Eid, il faut savoir que déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rappelé dans la tradition authentique que toute nation a ses festivités, et voici donc les vôtres: Eid al-Fitr, Eid al-Adha et le vendredi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait aussi en sorte que chacun, subhanallah, avait l'occasion donc de pouvoir fêter, que l'on soit pauvre, riche, que l'on ait les moyens ou pas. C'est un moment qui est, pour le musulman, vraiment quelque chose d'incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bienséances qui vont se faire, il y a des bienséances, subhanallah, qui vont être privées entre vous et Allah, subhanahu wa ta'ala, et puis il y a des bienséances qui seront entre vous et les musulmans. Et lorsqu'on dit entre vous et les musulmans, il n'y aura aucune distinction entre le riche et le pauvre. Aucune. C'est ça qui est beau, subhanallah. Et parmi donc les règles que l'on a donc le jour de l'Aïd, la première, c'est l'interdiction du jeûne. On ne jeûne pas ce jour-là. Souvent, les jeunes nous envoient donc des mails pour me dire, voilà, donc je suis au Maroc, il y a un décalage d'un jour, est-ce que le jour de l'Aïd, je dois jeûner parce qu'il me manque un jour ou autre? Et là, le jour de l'Aïd, personne donc ne peut jeûner. Et c'est une interdiction. Et on a le hadith authentique apporté donc par Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, dans lequel donc il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit donc de jeûner le jour de la rupture du jeûne et le jour aussi de Eid al-Adha, c'est-à-dire le jour du sacrifice. Il est rapporté donc dans Sahih Muslim. Aussi très très important, c'est d'assister à la prière de l'Aïd. Et comme vous le savez, la prière de l'Aïd, pour la plupart des savants, ils sont donc d'avis qu'elle est obligatoire. Ce qui veut dire que, même s'il y a une divergence, comme vous le savez, mais sinon, la plupart, donc, et prenons même, subhanallah, l'avis de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et aussi de l'imam, donc des savants aussi qui suivent, donc le madame al-Hanafi, donc on parle, subhanallah, de cette obligation. Et je dis toujours à nos jeunes, même si, wallah, on devait parler, donc, entre guillemets, de divergence, est-ce qu'il n'y a pas un bien immense donc derrière cet acte? Et en plus, comme on voit, comme vous l'avez remarqué, donc lorsque c'est cité dans certains textes, ou bien que vous retrouvez cela chez des savants, subhanallah, comme Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, l'imam Abu Hanifa et bien d'autres, fa rahimahullah jami'an, imaginez-vous, subhanallah, donc cet acte, quelle grandeur il a et quel bienfait immense donc il a. Et à ce moment-là, vous avez donc d'autres avis. Certains disent que si jamais une partie de la communauté s'en acquitte, l'autre donc une autre partie donc il n'est pas obligatoire donc de le faire. Et ça, c'est une des opinions que l'on retrouve donc dans le madhhab hanbalite, le madhhab Mohammed rahimahullah. Et un troisième groupe donc de
savant et d'avec la prière de l'Aïd, donc est une sunna fortement recommandée, c'est-à-dire une sunna mu'akkada. Et ça, c'est l'opinion donc des malikites et des shafiites. J'ai fait exprès, c'est rare que je le fais, mais j'ai fait exprès donc, de ressortir un petit peu ces avis, comme on le voit chez beaucoup de savants, pour vous montrer que, subhanallah, quoi qu'il arrive, on parle quand même d'être présent donc, à cette fête, même si on parle que d'un groupe par rapport à un autre, là, subhanallah, le mot présence est donc cité chez eux tous. Aussi, troisième point très très important, accomplir des prières surérogatoires. Et c'est pour ça qu'on n'a pas donc de prières surérogatoires à accomplir juste avant donc, ou après la prière de l'Aïd. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de sortir le jour de l'Aïd et de faire deux cycles de prières, sans les faire précéder ni de suivre par une autre prière. Et ceci s'applique aussi lorsque la prière donc, est effectuée à l'extérieur. Cependant, si la prière de l'Aïd est effectuée dans une mosquée, il faut accomplir la prière de salutation de la mosquée, Tahiyat al-Masjid. Donc, accomplir des prières surérogatoires, il n'y en a pas. Spécialement le jour de la prière de l'Aïd, quand vous venez, il n'y a pas une obligation de faire des rak'at avant ou des rak'at après, sauf, comme on l'a dit, vous arrivez à la mosquée, on fait donc Tahiyat al-Masjid. Aussi, les femmes assistent à la prière de l'Aïd. Et c'est une sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a justement donc montré que la femme, même si elle est indisposée, ne doit pas donc le négliger, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni fur et lieu se rassemblent justement les musulmans pour, alhamdulillah, soit l'apprentissage de la science, soit se retrouver donc ensemble à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à l'exception, comme vous savez, de la salle de prière. La salle de prière, donc, elle n'entre pas. Mais elle peut venir et se mettre dans certains locaux, ou bien couloirs et autres. Alhamdulillah, nos sœurs peuvent donc venir à la mosquée ce jour-là. Et, subhanallah, si on devait revenir à la sunna du prophète, c'est pour ça que ça se faisait dans un musalla, c'est-à-dire donc un emplacement assez grand, ou en général, un parc ou autre, dans le désert ou autre, où les gens pouvaient alors tous assister à cette rencontre. Aussi, il est important, donc, parmi les bienséances, de prendre un bain donc, ce jour-là. Et c'est pour cela qu'il convient donc, de prendre ce bain, un rituel très très important. Il y a un rapport donc, de Saïd ibn Jubayr qui dit que trois choses sont recommandées donc, le jour de l'Aïd. La marche vers le lieu donc, de prière, prendre un bain rituel et manger quelque chose avant de sortir le jour de l'Aïd al-Fitr. C'est pour cela que le deuxième point important, c'est manger donc, avant de sortir. Et Anas Boumalik stipule aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait jamais le jour de l'Aïd al-Fitr sans avoir mangé quelques dattes et il en mangeait donc un nombre impair. Donc on se lave, on prend un bain et à ce moment-là on prend quelque chose donc à manger pour ne pas sortir de la maison à jeun. Et je rappelle aussi que lorsqu'on prend un bain, pour la femme, lorsqu'elle sort, elle ne sort pas parfumée. Ça c'est important, ni parfumée ni maquillée comme il est. Donc stipulé pour nous dans la sunna prophétique. Et à ce moment-là, on fait aussi, troisième bienséance, le tatbir, le jour de l'Aïd. C'est un acte très très important, très recommandé aussi ce jour-là. Et on rapporte aussi que lorsque Ibn Omar donc, sortait le jour de l'Aïd, le fait ou bien Aïd al-Adha, il s'appliquait à faire le tatbir tout le long donc, du chemin vers le lieu de prière. Et cela, il continue à le faire jusqu'à l'arrivée de l'imam. On a remarqué, c'est vrai, qu'il y a certaines personnes qui veulent absolument le faire comme ça en groupe, en faisant des drôles de vagues hein, dans la mosquée, un groupe commence puis il s'arrête, puis le deuxième groupe, non. Dans la sunna, chacun fait le takbir alhamdulillah pour lui-même et on n'a pas donc à le faire comme ça en groupe ensemble, en criant ensemble, même si donc certaines personnes ont cet avis là on respecte, c'est leur avis, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas que des jeunes aillent comme d'habitude faire des fitnas des fois dans certaines mosquées et allumer des problèmes et entre des fois les personnes âgées et les jeunes, ceci, cela, abadan. Tu as, alhamdoulilah, ta conviction, cher frère. Si on veut t'écouter, alhamdoulilah, on ne veut pas, fais ton takbir, tout simplement, il n'y a aucun donc, problème. Et revenez vers la citadelle du musulman pour retrouver donc certains détails. Et après, subhanallah, donc, la prière va être faite puisque l'imam donc, va entrer et puis il va commencer directement donc, la prière. C'est deux rak'at qui vont se faire donc, à voix basse avec certains takbir, mais ça touche spécialement donc, l'imam. Vous êtes alors censé le suivre pendant donc le rituel, ce qu'il va faire donc comme prière, vous le suivez. Et à ce moment-là, donc, alhamdoulilah, on est habillé de ses plus beaux vêtements, on est content, joyeux, serein, donc faites en sorte que ça soit donc une belle journée qui commence aussi pour chacun
d'entre vous, et changez aussi, c'est très très important, si vous savez le faire, de chemin lorsque vous allez revenir, comme l'a dit donc Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, rapporté que le prophète a emprunté un chemin différent en revenant de la prière donc de l'Aïd, il est dans Sahih al-Bukhari. Donc vous aurez remarqué, Shabab, qu'il y a, alhamdulillah, un tas de petits préparatifs, regardez, même si c'est une fête, hein, comme lorsqu'on vous fait des rappels, que ce soit sur le mariage ou autre, ou baptême, ainsi de suite, chaque fois, même si c'est une fête, vous aurez toujours des bienséances prophétiques, ce qui veut dire que c'est un acte d'adoration. Ce n'est pas tout simplement festoyer, manger, ainsi de suite, c'est un acte d'adoration. Et rendez visite aussi à vos familles ce jour-là, faites en sorte, alhamdulillah, de vous réconcilier, en espérant que les gens acceptent la réconciliation. Je sais que ce n'est pas facile, on passe tous par là, mais il faut absolument faire son possible donc, ce jour-là pour aller rendre visite à sa famille, ses proches, ses amis. Et ne soyez pas de ceux qui vont faire que cette jour-là ou cette journée-là, subhanallah, qui est normalement une joie pour le musulman, eh bien, ça soit, wallahi billah, une journée où chacun a sa liste noire. Je ne vais pas voir celui-ci, je ne vais pas voir celui-là, celui-là il m'a fait ceci, celui-là il m'a fait cela. Abadan, vous oubliez cela, vous venez de quitter un mois d'adoration qui vous a nettoyé. Reprenez tout à zéro, comme il se doit. Et c'est très très important, parce que le jour de l'Aïd, c'est aussi un acte d'adoration qui conclut, c'est pour ça qu'on l'appelait l'Aïd al-Fitr, il conclut justement le jeûne qu'il y a eu. Avec la rupture, on arrête. Ramadan est terminé, mais comme on l'a bien rappelé, il n'est pas tout simplement terminé sans que l'on ait rien d'autre à faire. Le ramadan continue par après, le siyam, comme on dit entre guillemets, plutôt afwan, continue par après, avec les jeûnes très connus du lundi et du jeudi, ayyam al-bayt, 13, 14, 15e jour de chaque mois lunaire, et il y a bien d'autres jeûnes, alhamdulillah, on en parlera plus tard, qui sont donc, alhamdulillah, fortement recommandés, qui sont dans la sunna prophétique. Fakallah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres et vos œuvres, wa yitqabbal minna wa minkum, et faites en sorte, alhamdulillah, que ce soit un jour de réconciliation, de pardon, de joie et de partage. Allahu ta'ala alim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.